Pourquoi tu ne veux pas aller voir Kojina? Hein? Il est revenu de Vaudouville, plus puissant que jamais. Il est allé renforcer ses pouvoirs au cul. Il est allé s'initier au vaudou, le vrai, ma copine. Quoi? Le vrai vaudou. Le gars, il est fort. Vous allez où encore? Hein? Hier soir, vous êtes venu tard et sous comme des abeilles. Laisse tomber, mon type. Hein? Hier, hein? On était dans un grand maquis. Ouais. Tata. On a dansé comme t'as pas idée. Damal Moutoye. Hein? Avec les nanas. Non, guettez. Madame Kiroba. Les machins de Galapagos, là. Ah ouais, les jalouses vont mourir. Jalouses, ouais. Vous devez... C'est quoi? Où est mon visa? Ton quel visa? Vous foutez de moi? Non. Attends. Non, hey, attends, là. C'est quoi? Vous foutez de moi ou quoi? Ah. Remboursez-moi mes 100 000 francs ou alors vous me remettez mon visa. Une semaine est déjà passée. Non, non, non. Non, non, non. Calme-toi, Madi. Calme-toi, là. On accuse juste un léger retard. Oui. L'ambassadeur a voyagé. Quel ambassadeur? Mais l'ambassadeur du Schengen, il est parti dans la capitale de l'Europe, aux... Ambassadeur de quoi? Du Schengen. Ambassadeur de Schengen? Tu es malade, non? C'est quoi ambassadeur de Schengen? Non, hein? Non, c'est quoi ambassadeur non, de Schengen? Attends, s'il te plaît, calme-toi là. Tu me prends pour un con? Non. D'ailleurs, c'est à toi que j'ai remis mon argent. Tu me le rends ou je finis avec non, toi non, tout de suite. Non, t'as compris? Non, non, écoute, toi aussi. Il vient d'autre là-bas. Attends, c'est notre chef. Madi, calme-toi. Hein? Tu sais, notre projet pour toi est grand. Oui. Hein? Nous, on veut t'envoyer en Angleterre. En Angleterre, non? Auprès de la reine Georgette II. Attendez. On mais a qu'est-ce déjà tout prévu. Et attends. L'ambassadeur arrive après demain. Tu auras ton visa, oui. Je te jure. Et qu'est-ce qui se passe au juste? C'est pas ces escrocs-là. Ou ils me rendent mon argent, ou je finis avec eux tout de suite. Ils vont vomir mon argent aujourd'hui. Non. Hein? Vraiment quoi? Tu vois... Toi, tu es grave. Hein? Si c'est le visa, là, tu l'auras. Bon. Je te jure. Bon, écoutez-vous deux, là. Il faut régler le problème du Madi, là.
avant 2 semaines. Sinon, on va faire une assise spéciale pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, oui. Hein? Non, non, attends, 2 semaines même, c'est trop. Oui. 3 jours, c'est voilà. Seulement suffisant. En 3 jours. Nous vous me connaissez, hein? Oui, oui, oui. Nous, nous sommes des petits types. Hein? On connaît des gens. Je suis là. D'accord. Non, quand même. Mi-mi-mi-même. Oui, oui, oui. Bon. C'est grâce à lui, hein. Sinon, non, j'allais vous terminer tout de suite. Vous me connaissez. Attends, toi aussi. Il faut nous regarder. English. Yes, sir. Oh. Marty. Galère avait tué certains dans ce célibatorium. Regarde-moi ça. Ah, tu connais le prix de ça, là. Tu connais le prix de ça. Et Little John. Ouais, on file, non? Dépêche-toi à enfiler, là. On n'a pas le temps à perdre. Voilà, tu vois. Hein? Regarde comment il m'a sali. Oh, c'est pas grave. Tenez. Oh, Little John. Ouais. Ha. Ah, ça là. Eh, mon type, demi-tour. Monsieur, il y a plus de peur que de mal. Okay. Donc comme ça, notre enfant ne risque plus rien alors. Notre quoi? Ne répète plus jamais ça, tu as compris? C'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Fautif, irresponsable, inconscient comme ça. Madame, calmez-vous, pensez à votre bébé. Votre mari n'a rien dit de mal. Docteur, cet individu n'est pas mon mari. C'est un faux type, un irresponsable. Il a seulement profité de moi pour atteindre ses objectifs. Et puis, il est marié, père de 3 enfants. Geneva, ce n'est pas ce que tu crois. Et si tu te calmais pour m'écouter, là, on aurait pu résoudre nos problèmes. Docteur, vraiment, excusez-nous de vous faire assister à nos différends. La mère de mon enfant et moi. Écoute, Geneva. Hey! Ne répète plus mon nom de ta bouche. Et je ne veux plus entendre que je suis la mère de ton enfant. Tu as compris? Madame, calmez-vous. Votre état ne vous permet pas de vous énerver comme ça. Comme c'est ainsi, docteur, vous m'excusez. Mais si ma présence n'est plus indispensable, je préfère m'en aller. Bonne journée. Mon ami. Tu sais faire quoi d'autre que ça? Oui, oui, vas-y. Fuis tes responsabilités. Irresponsable. Tu sais faire quoi? N'importe quoi comme ça. Docteur, excusez-moi. Si c'est fini, je vais demander la route. Du courage, ça va aller. Merci. C'est pas toi. Elle est heureuse. Elle est amoureuse. Nero. Et. Le bailleur n'est pas venu ici. Hein? Le bailleur. Ah. What's up? Oui. Fausse alerte, mon frère. Ah. Tu es sûr? Ben, je te dis. Je n'ai pas oublié encore mon histoire de visa. Ouais. Est-ce que c'est clair? Attends, toi là. Marie, tu sais, c'est parce que tu ne nous connais pas. Un visa, c'est quoi? C'est rien pour nous. Mais attends, nous, on est même partis en France, en Angleterre. Il n'y a pas ce pays dans le monde que nous, on ne connaît pas. Casablanca. Tu connais le 6e continent. C'est quel âge? Tu nous vois comme ça, là. Et nous, on gère de gros business. Ah ouais. Hein? Il nous est arrivé quelquefois de dilapider en une soirée, hein? Plus de 200 000. Ouais. Il faut demander aux filles, là. Oui. Hein? 200 000 francs, vous là, je ne vous crois pas. En tout cas, on les a souvent vu avec beaucoup d'argent. Marie, c'est vrai, tu ne les connais pas ces gars-là. Ils sont les mêmes au Galapagos. Ouais, des nanas métissées. Pas même, tu peux même pas leur dire bonjour. Oh, elles vont vomir. Regarde-moi. Moi-même, je suis métisse. Regarde-moi bien. Ouais, c'est un métisse, ouais. Regarde-toi là. Je sais pas. Hé, hé, hé.
Les filles là, la dernière fois on leur a distribué combien là? Une brique. Ouais, chacune 1 million. Attendez, nous on n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est parce qu'on est tous ensemble. Ça tombe bien. Le bailleur arrive. Kodia, tu sais, j'ai fait mon bilan de vie ce matin. 25 prétendants, sans aucun mari. 25 enfoirés, je te dis. Même le petit Alex là, tu as été incapable de me le faire garder. Hein? Qu'est-ce que je deviens? Hey, Lucie, je vois. Mais tu ne m'écoutes pas. Tu as dû te tromper sur un rituel. Quoi? Hey, écoute-moi. Maintenant, là, je suis devenu puissant. Ouais. Tu vas voir. Ah. Bonne arrivée, tonton. Voilà. Voilà. Du pain? C'est bon. Au revoir. Le compte y est. Ah, merci. Bonne arrivée. Hein. Bonjour. Moi, je vous avais déjà réglé. Vous là, vous ne m'avez pas vu, non? Bonjour, grand frère. Comment allez-vous? Ce n'est pas ce que j'attends de vous. Mon argent. Où est mon argent? Attends. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le 10, là. Non. Quand même. Quoi? Écoutez, les amis. Écoutez. Les longs discours, là, je n'en veux pas. Aujourd'hui, c'est le 13. Non, comment ça? Mais il a raison! Je vous ai accordé 3 jours supplémentaires. Tcha. Je te jure, c'est le 13. Hey, monsieur Franck, c'est mon chiffre préféré. Je veux mes 20 000 francs. Non. Bon, en fait, vraiment. Sincèrement, quoi. C'est parce qu'on a eu un petit problème. Sinon, on a oublié la date. Complètement. Je sais que vous avez été incarcéré. C'est pour ça que je vous ai accordé 3 jours supplémentaires. Bon, en fait, on nous avait mis en prison, quoi. Quelle prison? On a été enfermé. Voilà, on était enfermé. Il vient de nous libérer. Est-ce que ça fait 30 minutes même qu'ils nous ont libérés? Non, on vient juste de sortir. Bon, mais ne vous en faites pas. Non, bien, on va vous régler ça. On est en partance pour gérer un gombo là et puis on va regarder ça. Bon, écoutez, dans tous les cas, je vous donne jusqu'à demain matin, dès la première heure. Débrouillez-vous pour payer votre loyer. Il n'y a pas de problème. Faites comme on m'a dit. Vraiment. Non, pour ça. Bien des choses à la famille, hein, voilà. Tonton. On amènera le coq de... Pardon. Alors, qu'est-ce que tu amènes? Moi, j'en ai marre de la solitude. Hein? Je veux un homme dans ma vie. Une stabilité, Kodina. Mais Lucie, ça, c'est pas un problème? Hein? Hey. Gina Kodina est avec toi. C'est quoi? Aïe. Tu as ton mari. Quoi? Voilà. Tu as ton mari dans les mains comme ça. Hey, c'est avec ça que vous étiez en Côte d'Ivoire avec les bêtises là. Ces deux-là, ils ne sont jamais clairs. Ils sont incapables même de payer leur loyer de 10 000 francs. Ils se prennent pour des gentlemen. Oh, toi, ta gueule villageois là. Ça veut dire quoi? Qui tu appelles villageois? Non, attends. Tu me connais? Non, regarde.
Faut les laisser. Ils ont des problèmes. Chef, vraiment, on voulait te voir. Quoi. Tu vois, est-ce que tu peux nous prêter 40 000 francs? Non, non, on va te rembourser, il n'y a pas de problème. Même avec intérêt. Oui. Ah, Yem Zouglia, non. Ah, là, mais. Zahamo, on va te demander un compte en délit dans l'eau, son père. On a fait le compte hier. Même si c'est la moitié. Bon. La rome d'art en cabine. Les jumelles, le font. Gali, jamais. Hein? Celle-ci-là. Hein? Non, attends. Elles vont se gonfler comme Gali d'avant-hier. Non, 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 vraiment, on va gérer ça autrement. Merci. Voilà, tu vois, tout ça là, c'est à cause de toi. Quoi? Quoi? Force à l'aide, comment? Qui t'a dit de sortir? Laisse la porte fermée, c'est quoi? Je t'ai dit, je l'ai vu. Tu me dis force à l'aide. Eh, bon, il y a un bon, bien. Quoi? Ça y est, là-bas, va dans le WC, là, il y a le nez là-bas. Voilà, mon sable révèle que demain matin à 6 heures. Habille-toi dans une tenue sexy sport. Tu vas à Bangruego, côté est. Tu vas rencontrer un homme en tenue de sport. Si tu le vois là, tu ne peux même pas te tromper. C'est lui ton mari. Eko Gina. Hey. Tu crois pas? Hey, Lucie, fais ce que je t'ai dit là. C'est comme ça, vous, les filles, vous faites tout rater de bonnes choses. Après, maintenant, vous êtes en train de pleurer. Il faut avoir la foi. Ça fait 100 000 francs. Alors, Kojina, mon très cher, comment vas-tu? Une révélation? J'ai la solution à tes problèmes. Tes problèmes de cœur et de famille. Les esprits me disent que tu dois aller faire le footing demain matin à 6 heures au parc André Rocco. Tu vas y rencontrer une jeune femme. C'est la femme de ta vie. Avec elle, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Quoi? Non, vraiment, tu es formidable. Ah, mon cher, non, tu es formidable. On dit quoi, ma chérie? Ça va et toi? Toujours devant le miroir. Hein? Comment était ta journée? Oh, c'était une superbe journée. Ah. Franchement, j'ai obtenu le crédit et je vais pouvoir lancer mes affaires très bientôt. C'est super. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Très bonne. Hmm? Allez, tu fais quoi? Je me démaquille. Vraiment, vous comprendrez jamais, vous les femmes là. Ok. J'arrive. D'accord, merci beaucoup. Je verrai ça avec Yohan, ok. Merci. Donc, on va lui présenter un contrat de sponsoring. Je pense qu'il est prêt à mettre 2 millions. Hein. Ah, mais Bintou, tu penses pas que pour un habillard de sa trempe, c'est trop petit? Yohan, on va se contenter de ça pour le moment. Et puis avec les autres partenaires, on verra bien qui placer comme sponsor officiel. Ok. Après tout, c'est toi qui gères. J'ai également deux propositions de contrat de prestation. Mais on verra tout ça par la suite.
Oh, ça par contre, ça m'intéresse. Mais là, tu vois, je suis claqué, mort de ce mort. Donc voilà, demain. À demain. Voilà, toi, repose-toi bien. Merci. Donc demain. À demain, toi Allez, aussi. Allez, ciao. Il est là. On fait comment? Chut, il va t'entendre. Calme-toi, tout seul. Bonjour. Vraiment. Hé, madame Wassa, John, où vais ces gens-là, vraiment. Tu sais, ils sont mal organisés. Sinon, ils ne sont pas méchants. Mais je leur ai donné 3 jours. 3 jours. Ce matin, ils devaient me payer. Je crois que personne ne répond. Hé, Wassa, Wassa, John. Venir s'enraciner comme ça devant la porte des gens. C'est quoi? Tu as faim, non? Même pas. C'est pire que ça. Il faut que j'aille aux toilettes.